Qu'est-ce que vous voulez? À l'aide! Ils vont me tuer si vous me laissez seule! Je serre le poing enflammé! Jal Kallès? Chanteur de nuit, donnez-moi de la force. You got this coming! Ciao. Ouais, bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maxime Moulin et on se retrouve. Il est où l'ennemi? Ouais, mais il est où l'ennemi? Ah d'accord, c'est ce truc. Oh putain, c'est quoi ce truc de merde? Wow, 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 wow. C'est quand même tout de suite, hein. C'est quoi ce truc en cage? Oh bah bonjour, hein, en tout cas, c'est... on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Valdur. Alors désolé de l'interruption brute du précédent épisode. On a été censuré par la Macronie. C'était gênant. Wouah, putain, ça pèse sa mère. D'accord, on peut se trimballer. D'accord. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouh, ça va être marrant jeter, ouais. Les trucs. Ouais, désolé, je parle pas beaucoup là. Ouais, j'étais surpris de l'apparition de ces espèces d'insectes là. Surtout que ça va être marrant à se les taper hein, là aussi. Mais après ça peut se revendre cher, donc voilà, donc je fais bien de les. Bon bref. Là je me prépare parce qu'on va faire un gros tournage. Vous savez le projet où on participe avec TH5, le jeu film le métier qui me plaît, où on sera peut-être au Grand Rex. Là on va aller tourner, là c'était assez d'accord et tout, on va se marrer. Hein. J'ai hâte de faire ça. Là, je discute avec Kezio pour qu'elle me dise ce qu'elle en pense. Voilà. Ça discute pas mal. Mais donc, je disais... Voilà. Une tâche facile. Il y a censure, mais en fait... j'ai gardé que le bout de conversation qu'il voulait, en fait, garder. Parce qu'après, ça partait sur des sujets sensibles. Alors moi, ça me dérangeait pas de laisser, mais eux, non, voilà. Voilà, c'était juste pour dire. Mais c'est marrant de tout foutre sur le dos de Macron. Il l'a mérité. Honnêtement, il le mérite. Vivement qu'il se prenne une balle de fusil, hein. Kalachnikov dans la gueule. Si ça pouvait être des islamistes radicaux qui l'éliminent comme ça, c'est comme ça. Après, t'as la Macronie versus les islamistes radicaux, ils s'entretuent et puis c'est cool. Ouais, aujourd'hui, je vais tacler l'islam. Ah, ben, j'ai taclé les gays, les juifs. Hein, les noirs, précédemment, les LGBT, les vegans. Les vegans, c'était dans Outer World que j'ai taclé. Ouais, j'avoue, c'était pas dans... Une tâche facile. C'était pas dans Baldur. Mais Baldur, j'ai décidé de faire des titres polémiques à chaque fois. Donc je vais essayer de trouver un titre autour de l'islam et de trouver un moyen de le justifier dans le scénar. Oui. Ouais, mais rigolez pas, les chrétiens, vous allez passer un jour. C'est... Je passe en termes de ce qui m'emmerde le plus, mais vous allez arriver à un moment donné, hein. Donc forcément, on passe d'abord par l'islam, par les extrémistes LGBT, ce genre de trucs. Puis après, on arrivera à vous à un moment donné, parce que vous n'êtes pas sans faute, hein. Vous avez moins de faute, pour l'instant, mais vous n'êtes pas sans faute. Sinon, Sonner, Tellman et Jamel... Putain, on dirait des noms... Restez calme, et nous réussirons. Justement. Nous avons juste besoin d'un peu d'aide, c'est tout. Si tu le dis. Ouais. Ouais.
c'est Dumberly, Wumberly, marché conclu. Ouais, d'accord, on va la buter. Sauf si on découvre qu'en fait, elle est innocente et qu'elle a pas agressé. Je verrai, c'est au plus offrant. Hein. Ouais. Donc la porte de Baldur, c'est au nord ou c'est au sud, je sais plus. On verra bien. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a moyen de voler des choses ici? Visiblement, il y a personne, donc je vais aller voler. Hein. Oui. Oui. Toujours voler, voler. Yeah, yeah. Une tâche facile. Je dérobe aux riches, aux pauvres et aux Allemands. Oui, c'est moi, c'est Gérard Lupin. Bonjour, Argentinosaurus. C'est toi, Argentirium, tu sais, comme le nom de l'ancien Alstradour. Dans quel camp êtes-vous? Ouais. Putain, il y en a plein de mecs que tu peux recruter quand même, hein. Bon, il y en a qu'un seul que j'ai dû buter, c'était l'autre meuf que vous avez vu au début. Parce que cette conne, elle s'est foutue sur le loot de l'ennemi, alors voilà, quoi. Elle voulait pas dégager, donc. Attends, objectif commun, pourquoi pas. Et en fait, non. Je vis pour l'honneur. Ouais. Bon, sinon, bonne nouvelle, finalement, il y a un court-métrage qui va quand même se faire. J'ai remédié. Je suis reparti depuis zéro, et puis finalement, j'ai un scénario qui me plaît bien. Moins que le précédent, parce qu'il y a des trucs, des vannes, même des séquences horrifiques dans le précédent qui vont disparaître, c'est sauté, c'est dommage. Surtout les séquences horrifiques, parce que là, il n'y a plus du tout de séquences horrifiques dans celui-là, c'est pour dire. C'est dommage. Ouh. Ils ont même pas de barre de vie, ces connards. Hein. Par contre, là, je peux pas les looter. Hein. Horreur. Ou toi, je te vois bien prendre de l'horreur. Hein. Vous avez enculé votre élite de magie. On va essayer de revendre ça. Hein, on va essayer de revendre cette camelote. C'est Camelot. Oh, oh. Vivement les films Camelot. Hein. J'y hâte d'y être. Par contre, ils survivent les paysans? Je te demande ça, parce que quand tu vois les gros monstres qui surgissent de leur champ, vas-y, c'est pas des taupes, hein, quoi. Y a donc personne pour m'aider? Personne? C'est le taux de mortalité chez les paysans, il doit être très élevé, hein. Parce que t'as vu la taille des vers, hein. C'est bon, ils te bouffent, hein. Ouais, ça fait déjà, t'as mon élan, je me suis retrouvé Nathan. D'accord, on va retrouver ton fils, fils de pute. Le fils disparu de Brun. C'est son nom, Brun. Mais pourtant, il a les cheveux blonds. Non, je déconne. Côté ouest de la ferme, comment on va dire. Bon, on va fouiller, mais d'abord, je te dérobe. Voilà, ce sera mon salaire. C'est fait. Fils de pute. Ça va, j'ai et pas pensé à enlever mon arme. C'est fait. Putain, tout est verrouillé maintenant, donc c'est bon, j'ai même plus cherché. Hein. Tout est verrouillé. Ouh, mais c'est sympa les bijoux. Le manège à bijoux. Ah, ça c'est pas verrouillé. Il est étrange ce trou. C'est peut-être là que les bandits sont partis. Je sais pas, c'est assez bizarre. Pause. Si. Oui, bien sûr. Encore eux. Oh bah vas-y, on les dégomme. Il file de XP ou pas, c'est con? Ah oui, il file sacré d'XP en fait. C'est cool. C'est vrai que comme eux, il met des trucs. Ouais, c'est vrai que les termites hein, dans le coin, elles déconnent pas. Hein. C'est des termites islamiques. Vous avez vu, elles sont en vert. Mais oui, c'est ça. C'est des termites du Coran. C'est ça les fameux jeans. J'ai toujours cru pendant longtemps que c'était ce que je portais. Ah, ils font des dégâts d'acide, sympa. Tant qu'au moins ils empoisonnent pas. J'en avais marre des ennemis qui empoisonnaient. C'était chiant. Heureusement, j'ai réussi à apprendre à Orca Grudu à soigner le poison. Je me sors déjà mieux depuis. Hein.
Ah, j'en connais un qui va bientôt monter de niveau. Ça monte énormément de niveau hein, quand même, hein, en quelques vidéos hein, seulement. Je sais pas vous. Oui. Et maintenant, que se passe-t-il? C'est bon, on a compris que Michel, en plus, ils sont seuls, ça va. C'est vrai que le seul truc géant, putain, on l'a explosé, c'est qu'ils peuvent niquer mes... les autres. What the fuck? Putain, il y a des potions de fou. Antidote, potion de force. Le fils morde. On peut trimballer son fils? Bon, donc finalement, ça a pas l'air d'être des brigands hein, qui l'ont pris l'autre. Hein. Tiens, vas-y. C'est mon gros dur, trimballe toutes les fioles, les pète pas, s'il te plaît. Et trimballe les trucs de brigands aussi. Bon, t'es cool. C'est typiquement le genre de sort que je te vois bien faire, toi. Bon. Alors, côte de maille, baguette, dague, fléchette. J'ai tout filé les trucs là, machin. Alors ça, on va désensorceler ensuite, hein, je tiens à vous le dire. Alors... Ça par contre c'est le genre de sort, ce sort là, les armures et les trucs comme ça, c'est plus le genre de truc que je lui mets à elle, à ma barde. Hein. L'autre c'est plus, elle c'est la défensive plus et l'autre c'est l'offensive. Donc elle c'est les trucs de son aussi que je lui apprends. Avec Grudy aussi, Grudy elle a des trucs de son aussi. Putain ça nous fait plein de trucs à démystifier machin. Mais sérieux putain on se trimballe son fils. Il pèse le... Et il est mort. Tu m'étonnes. Sérieux, encombré. Putain, t'es immobilisé aussi. Il pèse tellement lourd que ça. Putain. Alors déjà, on va porter. Il pèse combien en fait ce con? Il pèse... Oh putain, 110. Il fait chier, putain. Bon. Ouais, c'est des trucs au pire, on les récupérera plus tard. Hein. Si besoin. Bah bon, vas-y, je sais que tu veux venir au moment. Passons aux choses sérieuses maintenant. On va continuer à fouiller. Il y a peut-être des trucs sympas dans le coin. Bonjour. Puis après on ira apporter la mauvaise nouvelle à l'autre con. Hein. Sauvegardons un petit coup quand même. Merci quand même aux bestioles de me filer plein d'XP. Hein. Ils mourront tous. Ça va pas les grottes. Hein. Quand même le... On pourrait pas juste lui dire qu'il est mort, non, il faut la preuve. Et on se trimballe la preuve, quoi, c'est... Regarde, c'est le cadavre de ton fils, non. Vraiment, la scène surréaliste, quoi. Des méthodes barbares, hein. Bon, j'en ai marre de ces espèces de bestioles islamiques, il y en a quoi, c'est une infection, là. C'est ça, des bandits. Ça a vraiment changé, les bandits, hein, depuis mon époque. Pourtant, les bandits, c'était des lapins. Je m'en fous, je reviendrai plus tard aller chercher le truc. Hein. Des bidules. Enfin, j'aurai remis le fils. Hein. Le père et le Saint-Esprit aussi. Ils mourront tous. On a presque fini, il y en a peut-être encore un là-bas, de con, mais... voilà, au moins ça fait de l'XP. Hein. Voilà, je me déplace sans boulouis. Pas classe, hein. Non. Moi, je trouve ça classe. Bon, bah vas-y, on peut sortir maintenant. C'est fait. Et on retourne voir l'autre con. Alors, Brun,
Bah, il y a ton fils. J'ai ton fils. Ah, mais tu m'as jamais dit de le rapporter vivant, hein. Laissez-moi lui parler. S'il bouge un sourcil de trop, vous le butez. Ce sera dur, ça, mon fils. Et maintenant, où Faut peut-être qu'on lui re... Ah, putain. On se trimballe le fils entre trucs. Yeah, I'll get right on that. Oui. Une tâche facile. Ce sera dur, ça, mon fils. Et un jour sombre et tout. Ok, merci. Et maintenant, que se passe-t-il? Ok, c'est bon. Passage... Oh, passage au niveau supérieur. Ah, de tout le monde. Ok, c'est bien. Vas-y. Armure de la foi. Soit des blessures légères, gourdin magique. Détection du mal. Permet de découvrir n'importe quelle créature. Chevetement. Ça peut être pas mal, honnêtement. Ralentissement du poison. Sortie d'un niveau 2. Baie magique. Sens des éléments. Si. C'est pas mal, ça aussi. Vas-y, la mage. Ok. Et toi, bientôt. Ok, ça marche. Vous combattre les incas, écoutez, c'est la saison des femelles de la cherche. Ah, on défonce toutes les femelles, on va niquer l'écosystème, putain. On est des Américains ou quoi? On est des putains de Japonais, des Chinois, on pêche tous les trucs. On note tout. On est des ultra-capitalistes, on s'en bat les couilles. Allons à la porte de Baldur, non, c'est pas ça. Une tâche facile. Je suis sûr qu'on va pas pouvoir y aller. Allez, vas-y, on va voir. On va négocier, on va dire mais vous m'aurez pas laissé passer, moi, c'est Gérard. Moi, je vous dis, ça va passer crème. Arrêtez-vous, vous êtes sur mes terres. Et le pêcheur. Ah, c'est elle, la fameuse Tania. Je veux seulement savoir ce qui se passe. Ok. Allez, on entre chez toi. Et on fouille. Oui, bien sûr. Et maintenant. Bon, c'est l'heure de faire mon petit voleur. Une tâche facile. Putain, qu'est-ce qu'ils sont vulgaires, les gens de nos jours, hein, quand même. Hein. Faut même pas. C'est poser de questions, demander. Bonjour. Oui. On se tire. C'est fait. Un berlier guide mes pas. Bon, bah, un dernier guide mes pas. C'est pas ce qu'ils ont fait, ce n'est les autres. Eux sont mauvais, ils ont tué ma mère, voilà ce que vous aidez. Excuse-moi, t'as pas voulu me parler en temps normal. Donc si. Donc comme tu t'as pas voulu expliquer, ben moi, quand j'ai pas d'explication, ben, je fais sur pourquoi on m'a payé, hein. Enfin, on m'a pas encore payé, mais voilà, hein. C'est le truc. Voilà, hein, donc voilà. Maintenant tu parles, c'est bien, il a fallu trois coups de lame dans la gueule. Aidez-moi, s'il vous plaît. Eh bien, plus. Quoi? Mais non! Mais non! Quoi? Que vous voulez-vous? Vous savez beaucoup de choses sur votre groupe. C'est dangereux, vous avez avalé ces mensonges, hein. Qu'est-ce qu'il a dit qu'on avait volé un bois, un truc comme ça, c'est... Tu sais, la mer... D'ailleurs, faut apaiser le verdict, le clair, le truc, ok. Tu veux savoir que nous avons pris d'autres dispositions pour naviguer une part du marché quand on est en grande petite tête. C'est ok, ça marche, vous savez ce que vous voulez, hein.
Ah bah c'est bon, on s'en sort bien, on n'a même pas besoin de buter tout le monde. Amberly, guide mes pas. Repos. Allez, vas-y, à présent, elle est très heureuse. C'est plus près du coup, mais c'est un test. D'accord, merci. Sherman Falls. Ça va. Ok, bah voilà, on a fini le truc, hein, c'était cool. Ah, Dieu malveillant, je sais pas ce que... Ouais, j'ai l'impression aussi, je crois que je me suis fait niquer. Bon bah tant pis, hein. Ouais, je me suis fait niquer, j'ai pas très bien compris. Bon, ça m'a fait de l'XP, mais je crois que j'aurais préféré avoir de l'or, mais bon. Tant pis, comme j'ai dit, hein. C'est barré par une porte dimensionnelle. Je me suis fait avoir par une gamine, elle était trop bonne. Mon dieu, syndrome Polanski, hein, quoi. Bon. Qu'est-ce qu'il y a au bout de pont? Oh, les fameux mecs du pont enflammé. Je peux pas piffer. Venez. Vas-y, Lupin, par lui. Je sers le point enflammé. La porte, l'entrée de la... Ah, c'est la... Ah, la fameuse porte de Valdur. Je sers le point enflammé. Ok, donc c'est fermé pour l'instant. Bon ben voilà, fin du jeu. Ah ben c'est fermé. Hein. Ouais, cap. Ok, bah... Pour quelqu'un qui a pas le temps, tu branlais pas grand chose, hein. Voilà, c'est que maintenant qu'il parle, fils de putain. Vas-y, casse-toi. Je déteste ces petits bâtards là. Bon, maintenant un peu la map. Eh non, pas, par contre, j'ai déjà visité une bonne partie de la map là. Est-ce que c'est la seule map du jeu? Parce que si c'est la seule map du jeu, j'ai l'impression que je vais bientôt finir, hein. Pourtant, c'est plus long, Baldur, non? Ça fait combien de temps de jeu à finir? Je sais pas. Ouh, Berserker, bonjour. Bonjour, ouais. Plus comme le demeuré, c'est con. Ouh, il faut un peu plus sens, c'est chiant. Oui. Soigne-le, Michel. Protection d'esprit, soin des blessures légères. Et maintenant, que se passe-t-il? Oui, c'est bon. Bon, ça va. Ok, c'est nickel. Bonjour. Oui. Ah, c'est une meuf. Donc, c'est les ogres, ou si tu veux. Confuse, nous a signalé un campement. Ok. Chasse à l'ogre, ok. Dog vers le sud. On n'a pas déjà éliminé? Oui. J'ai tué tous les ogres quand je lui fais pas. Ok. Ok, oublié de nous donner ma juste récompense. Quoi? Donc j'ai pas... Oh la salope, j'aurais dû la buter. J'aurais dû la buter, là. Oh là. Toujours dommage que les nains aillent vite, hein. Moi, je l'aurais défoncé la gueule. On me prend pas pour un con, comme ça, hein. Je veux dire, depuis quand on se fout de ma gueule comme ça, hein, ça passe pas. Et vous voyez, hein, j'ai fait déjà quand même une bonne partie de la map, hein. Il y a ça, encore, un truc. Je visiterai peut-être ça prochainement, mais d'abord j'irai dans la ville et fouiller un peu les alentours et peut-être faire la mine pour avancer dans la quête principale, on verra. La ville, le fer... Notre pas bon, on nous tue vite, pas ça. D'accord! Ça va, passons t'inquiète, aux choses on va sérieuses maintenant. Vas-y, je bute. Ouais, encore les pénuries de fer, hein. C'est vraiment le truc qui emmerde le plus dans le coin, la pénurie de fer. C'est vraiment le thème récurrent. Les colliers en edgem. Ouh, mais celui qui a une épée en plus magique. Attends, deux secondes. Putain, j'ai tellement de trucs. Faut voir que je vende, hein, comme j'ai dit, hein, que je revende quand même.
J'ai des potions, je sais même pas ce que c'est. Potion de force géant, potion de... huile de rapidité. On va huiler notre corps. Ça va ressembler à rien à la fin. Putain, deuxième, on descend par là. On dégage un peu la voie aussi. Voilà, et puis après on va aller fouiller l'autre truc parce que c'est pas mal. Dernière carole. Passons aux choses sérieuses maintenant. Et maintenant où? Voir potion. Oui. Bon putain, là, c'est stressant le combat là. Ils sont stressants, ils font mal hein, assez rapidement ces berserkers. Hein. Une tâche facile. Quand même. Hein. Quoi dire. Toi tu reprends ta chapelure de machin, les chouettes. Je crois qu'il n'y a pas d'éclair qui me refrappe sans raison. Moi ça va. Donc là on va rentrer dans l'autre grotte aussi. Peut-être d'abord se reposer un petit peu. Ah. C'est gênant. Bon, ça va, les demi-ombres sont les demi-ombres sont quand même plus sympas à affronter. C'est bon, je peux me reposer? Ça va, soigne. C'est bien, hein, t'es une bonne soigneuse, hein. T'es doué avec tes mains. Hein, comme quand il me faisait une pipe à Vincennes. J'ai des parchemins aussi. Faut que je les vende, hein. Non. Faudrait que je les vende. Je vais ramasser le truc là, qu'est-ce que c'est que c'est? Ah, c'est pour la perle. Sauvegardons un petit coup et puis après on va aller fouiller, explorer la grotte un peu. Est-ce que ce serait pas là la putain de fameuse grotte à l'ouest de Beregost? Je sais pas, non peut-être pas. J'ai aucune idée, je pense pas, non. Une tâche facile. Ouais, je me maintiens encore d'espoir avec cette putain de grotte à la con. Hein. Putain de piège à la con aussi. Bon ben... Ah bah c'est con hein. Oh putain encore des mecs là, mais ils font pas chier. Juste vous mourrez. Ils sont où ces cons? Ils sont là. Ils nous regardent même pas les mecs maintenant. Ils étaient de dos. Ils sont un peu débiles hein les bandits là, dans le coin. Putain, entre les ogres, les bandits, hein. Faites tout chier les gars. Vous savez hein. Oh, vous me cassez les couilles. Au passage, j'ai commencé à mater aussi le let's play de notre cher ami TH5 sur Life is Strange Before the Storm. C'est marrant à voir. Surtout... Moi, ce qui me fait rire, c'est surtout à quel point il galère ce con. Hein. C'est... Putain, mais d'où vous trop éloigné? Venez ici, bordel de merde. Vous me gonflez là. Non, moi, ce qui me fait surtout rire, c'est. C'est le mec. J'ai plein de reproches à lui faire, je l'ai taclé dans la première vidéo et on verra pour les suivantes. Parce que le mec, il fait pas attention à ce que disent les personnages, il y a plein de trucs comme ça. Putain, franchement, j'avais envie de sortir de l'écran pour lui dire, eh putain, mais... Parce que les personnages disent clairement ce qu'il faut faire et lui, il écoute pas. C'est... Voilà, il fait un truc, vraiment, il y a des trucs, j'avais envie de dire, putain, mais c'est là, espèce d'abruté, comme ça. Ouais, c'est méchant, mais c'est vrai, hein. Et voilà, à un moment donné. Vous comprenez. Plus Roda. Ah, une épée bâtarde. L'autre, ça lui plaira sûrement. Bon, toi, tu dégages. Et file-lui les flèches.
C'est vrai que ça, elle en a pas besoin des petits trucs fléchettes là. Par contre, l'épée bâtarde, toi tu vas être content là pour le coup. Hein. Ah ouais, là pour le coup tu vas être content. Ah, ça fait du bien. Ouais, j'ai ce désordre. Attends, on va protéger sa mémé. Ils mourront tous. Ça va, c'est facile. Ça va la mémé? On va sauver la vache. Save the cow. On a eu un truc en plus. Ça, c'est le trophée. On a sauvé une vache. Putain, je voulais pas ça. Chien. Bon, bonjour, Uldrig. Essayez d'avoir sauvé Annabelle ou Arabelle, Bebebel. La chasse aux crèches. Ruine du pont de... Ah, ça j'ai vu, truc, ok. Bon, allez, ok, ça marche. Si ça se trouve, je les ai déjà éliminés, les trucs. Il faudrait que je retourne voir le truc du donjon jovial pour voir si c'est pas fini, en fait. Si ça se trouve, comme un con, je cherche et tout, mais en fait, c'est fini. D'accord, je ferai attention, Michel, hein. Le vainqueur, what? C'est quoi ce truc? Le vainqueur forgé par les mages de trait de Vaudan, il était en fait entre les mains de son frère caché dans la foule. Ouais, capacité de charge, dégâts 2 x 6 pour tes 30 mètres. Et non, les petits absurdes magiciens. Ouais, ça a l'air classe. Ouais. Ok. Donc je vais garder, pourquoi pas. Pourquoi j'ai des H2G maintenant? J'ai pas compris. D'accord, ça j'ai pas pu analyser ça par contre. Ça j'ai pu. Mais bon, c'est con, c'était un truc que je m'en battais un peu les couilles. Donc je vais vendre le reste alors. Si je peux pas les analyser, voir ce que ça fait. Franchement maudit, il ne serait pas sage de l'IRC. D'accord. Donc là on est au festival et après on ira aux mines pour débarrasser facile. Le truc. C'est ça le festival, c'est mort, hein. C'est pas si classe qu'il y a des trucs japonais, dis donc, hein. Avaler des couteaux enflammés. Ma muse ne saurait parler à quelqu'un de votre espèce. Venez me voir, avaler des couteaux enflammés. Vous êtes vraiment fou, je vais vous laisser entre vous. Journal mise à jour. Venez me voir, c'est toujours un plaisir. Gazible magnifique, putain. Oh les noms là, con quoi. Bonjour le garçon. T'es perdu. Ta gueule toi. Il est skinny honnêtement, ça quand même. Et vous? Je me nomme le et fou même. Bon maintenant ça suffit. Tu sais, comme Jean Desjardins. Suffit, bonjour. Bon bah on va aller fouiller les trucs, il y a des trucs du ciel, c'est pas mal. Bonjour. Hein? C'est fait. Suis quel pickpocket, qu'est-ce que vous racontez? Les gens tels que vous ne m'intéressent pas. Entrez pauvre et hein. Repartez riche. J'ai envie de te défoncer, mais on va oublier. Heureusement que je suis riche, hein. Et vous sinon avez je t'aurais défoncé avec ça. C'est de l'arnaque. Je vais répondre le truc. Vous êtes des nuls. Oui, bien sûr. C'est pourri, c'est bidouillé, hein. C'est fait. Entrez pauvre et repartez riche. Et repartez encore plus pauvre. Ouais, ouais, c'est bon. Une tâche facile. Je paye plus rien ici. Hein. Elle est petite cette tente là. Voulez-vous bien nous laisser seuls? Vous n'avez rien à faire ici. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Elle va utiliser ses pouvoirs pour imposer les enfants de cette vie. Elle va s'accueillir. Ok, on va le buter. Ils mourront tous! Oui, bien sûr. Ah, bah c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'il loot, Michel? Oh, bah tiens, un truc qu'il faudra aller examiner chez quelqu'un d'autre. C'est génial. D'abord, on va parler à madame. Oui, camarade? Ça, c'est...
J'utilise bien, cependant, je vais tuer le bétail, c'est un vieillard et moi, ça s'est épuisé. Ah, merci, c'est gentil, au revoir. Ah, maintenant on peut fouiller. Sans être sûr de se faire gauler. Bah, c'est cool, hein, on a bien fait de venir, hein, comme le dirait le jargon. Hein. Pourriez-vous nous accorder un peu de votre temps? Non. C'est fait. Bon, vas-y. Qu'est-ce que tu veux, connard? C'est fait. Regarde, c'est Geneviève, pour ça, prendre. Ok, prisonnière, c'est-tu? Alors, le parchemin. Excusez, c'est réclusif de jour pour vous écrire, mais le temps, écoutez. Tant de choses à ce que nous craignons, les trucs comme nous savons, nous deux. Ce qui était pour évoluer, nous avons peut-être atteint. Nos adversaires vont bientôt mettre en mouvement, et vu qu'on joue de quitter cette émotion. Tirant que difficulté, ils avaient demandé de l'aide au voyageur de passage. Et... ça le truc! Mais non, ça c'est pas le chemin de Gorion, je sais pas. Non, je crois pas. Hein. Bon, on est d'accord, on l'avait déjà celui-là. Je sais pas. C'est quoi qu'il m'a donné? Parchemin de transformation. Il l'a donné à qui? Ah, c'est ça. Ah oui, mais personne peut le faire. Putain, je me suis fait niquer. Bon bah tant pis, hein. Vas-y, hein. Ah, il y a des marches faciles, c'est fait. Putain, il y a des rebeux. Mon dieu, non, il y a des marchands. Heureux de vous connaître. Nestor, dommage qu'il s'est fait. Des minous morts et combinés dans les deux trucs. C'est vous bien au carnaval. C'est vrai que le problème des mines, ça, c'est la récurrente. Il va falloir vraiment qu'on aille résoudre ça, hein, dis donc. Hein. Il y a encore des. Il y a encore un marchand. Putain. Une ouh, tâche il facile. A l'air sympa le coffre. Et maintenant, où? Oui, bien sûr. Vous direz en plus le connard. Ne vous approchez pas, citoyen. C'est accusé de vol. Je sais pas, Harry, vous changez. Ok, oui. Vas-y, hein. Passons aux choses sérieuses, madame. Comment il a fait le marchand? Parce qu'en plus, il est même pas sorti pour leur dire, le truc. C'est ce fils de pute, hein, ça. Je suis enculé. Oh, t'as mérité de crever, hein. Putain, le mec, il va avoir une tonne de potions. Ouais, ouais, j'ai buté des gens, et alors j'ai même débloqué un truc vilain. J'ai été vilain, j'ai buté des mecs. Tant, ils avaient pas qu'à me faire chier. Moi, quand on me cherche. Par contre, la carapace. Ah, mais on peut pas vendre ça en fait. Ah, donc c'est de la merde ça. Vas-y, ça dégage. Hein. Ah, bah on s'en est bien sorti. Hein. Voilà. S'il y a personne de vivant et tout, il y a personne pour voilà, te dire que t'as volé. Hein. Voilà, c'est de l'infiltration à ma façon. Hein. C'est l'infiltration à ma sauce. Ah, il y a des montagnes ici, intéressant. On pourra aller ensuite aussi, hein. On va faire un petit tour dans c'est les fait. Montagnes. Là, je fais le tour. Alors, est-ce qu'il y a des monstres ici? J'espère pas, franchement. Il y a des monstres au festival. Ah, il y a juste un chat, ça va. C'est pas un monstre. Ça dépend. Ça dépend le point de vue. Femme endormie. On peut leur faire des petites choses dans leur sommeil? Oui, bien sûr. Oui, bah il a dit oui. Une tâche facile. Ah, c'est une tâche facile en plus. Ne vous approchez pas, citoyen. Mais j'ai rien volé. Ouais, bah crève. Mais surtout que j'ai rien volé. Ne vous approchez pas, citoyen. Mais le pire, c'est que j'ai rien volé en plus. J'ai juste regardé. J'ai même pas volé.
contre, toi, t'es mort. Regarde, j'ai juste fait ça. Voilà. Putain, j'ai le droit de mater tant que tu touches pas et tout, mais bande d'enculés. C'est fait. Ok, quoi ça? Ok. Il fait jour rapidement dans ce truc, hein. Dis donc, hein. J'ai envie de dire, hein. C'est... Il a fait jour subitement. Je sais même pas ce que j'ai balancé. Pas grave. J'ai pas demandé ça, putain. Ouais. Par contre, non, finalement, il y avait quand même des ennemis dans le coin. Hein. C'était pas sympa. Bon, voilà. Oh, la tête du blanc, il entend la petite musique. C'est tam-tam, hein. Et il fait qu'est-ce qui m'emmerde, j'essaye de dormir. Je suis un gros chat, hein. Je dors pas assez, je suis insomniaque. S'il vous plaît, comprenez-moi. Voilà, je sniffe ma litière pour 5 euros. Ah, des blèmes, ça faisait longtemps. Allez, on vas-y, on défonce dans ce combo. Une tâche facile. Et il y a des chauves-souris aussi. J'ai vu l'info d'un pompier qui avait sauvé un chat et tout lors d'un truc en feu, d'un immeuble en feu. Et le chat, il voulait plus quitter ses bras. C'est mignon. Je suis pas sûr que Blanc, il ferait ça. Hein, monsieur Blanc, tu ferais ça. Tu serais gentil. Tu miaulerais. Tu ferais miau, 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 miau. Hein, comme pas possible. Bonjour. Est-ce que vous appelez de... oui, et alors? Vous et vos amis, vous devez mourir. D'accord, encore des chasseurs de primes, d'accord. C'est bon, on est ma claque. Passons aux choses sérieuses maintenant. Vas-y, on va leur défoncer la gueule. Donc c'est moi qui vise en priorité et je m'en fous que je leur fonce sur la gueule. Faut toujours qu'il y ait des connards là. Ah, les actions des autres sont bloquées. C'est un peu gênant. Merci. Bon. Et maintenant, que se passe-t-il? Ouais, je me tente de dire pourquoi. Ah, voilà. Parce que là, j'ai trop de potions. Putain de bordel de merde. J'en ai ma claque. Je vais garder que les potions de vie. J'en ai trop, vous avez vu. Faut que je revende. Hein. Ça va les autres? J'ai des lumières qui tournent autour de mes yeux. Nanana. Donc ça c'est cool. Ok, et ça c'est cool aussi. Eh ben vas-y, il va falloir niquer truc. Bon, il faut juste attendre que Michel et Michel aient le symbole là. Ça me rappelle celui dans Silent Hill 3, tu sais, quand tu commençais une nouvelle partie en mode cheaté, voilà et tout. Ouais, je vais vous aider, monsieur. Bon, bon problème, c'est assez peu heureux, concentré. Droite, pas très loin à l'est, il y avait une tombe, j'ai ouvert, vous avez dérangé le sommeil. D'accord, ça marche. Ok, je vais remettre. Mais d'abord, j'élimine Michel, là. J'élimine les bestioles. C'est la première fois que je les vois au sud. Parce que pour le moment, on les avait croisés qu'au nord, hein. Le truc, tu sais, de la map. Ouh. Et cette fois-ci, je ramasse pas leur carapace, parce que c'est de la merde. Je vais vous étrangler. Ah bon. Ok, bah revenant, je vais vous dégoûter. Ça va, hein, tu ne niqueras pas. Maintenant, que se passe-t-il? Une tâche facile. Quoi? Soigne-moi, pétasse. Parce que là, là l'enfoiré, il est niqué. Et maintenant, oh putain de merde. Là c'est très chaud.
Potion de soin, potion de pouvoir. Et maintenant, au fond, on le niquera. Et maintenant, où? Au fond, on le baisera. Let's give them a right threat. Oh. Oh. Bois. Oh. Oh. Je dois être plus touché que je ne le pensais. Oh. Oh. Vas-y, bois. Oh, je dois être. Oh, oh putain, c'est je dois être plus touché que je ne le. Oh, je dois être plus touché que je ne le pensais. Oui, bien sûr. Je prends là et bois, putain. Oh, mais bien sûr. Putain, si tu buvais aussi, espèce de débile. Oh putain, la meute. T'as vu la meute là de chien? On a battu le mort-vivant et ça va, ça a fait de l'XP, 3000 hein. Ben, j'ai bien fait de l'affronter. Mais j'ai gardé la dague, résultat. J'ai appuyé, je savais même pas ce que j'ai dit. Ok, salut, au revoir. Ah mais merde, j'ai refusé, mais je. Bon bah ben, tant pis, hein. C'est, en même temps, ils ont pas qu'à m'enclencher des trucs sans prévenir, quoi. J'étais en train de faire le truc et là j'ai appuyé, tu sais, pour marcher. D'un coup, sans prévenir, bah, en même temps, bah, j'ai zappé. Excusez-moi. C'est chiant. Putain, le charnier. Ah ouais, putain, vous avez vu le charnier ici? Sympa. Tu vois, on visite des zones hein, dans cet épisode. Hein. Je sais pas si je l'arrêterai au mine l'épisode ou avant. On verra, on verra. Je pense que je vais peut-être visiter les mines aussi. Il sera peut-être un peu plus long l'épisode, mais après, les épisodes d'avant, ils faisaient 2 heures. Hein. Là, ça a raccourci dernièrement, donc vas-y. Hein. Vas-y, on en profite. Donc, on est un peu là, et après, on passe aux mines. Quand même, hein, l'exploration qu'on a fait dans cet épisode. Oui, bien sûr. Ah, ils toussent. Hein. Je crois que je crache du sang. Sans déconner. Bonjour, madame. Comment ça va? Comment s'appelle cet ami? Où se trouve ce Samuel? Il est juste là! Bah c'est lui! Ok. Ah ouais putain, il faut se le trimballer. Bon vas-y, tu te le trimballes toi. Ok, on va y aller. On finit de fouiller cette map et puis ensuite je le ramène. S'il va mourir d'ici là. Je sais même pas, j'ai pas fait gaffe où est-ce qu'il faut l'emmener. Je sers le point enflammé. Oh putain, des services d'âme. Je sers le point enflammé. J'ai E qui transfère. Ouais, t'as... Tout crime doit être puni. Ah. Ouais. Prendre de force, bah on va tuer hein. Voilà. Ben bah voilà, comme ça on a des frics. Bonjour monsieur. Il y a plein de gens dans le coin. Hein. Moi, avoir gadget utile. Très utile. Ok, je m'appelle Gérard Lupin, c'est moi le monsieur. Ok, d'accord. Ah, il a offert un parchemin de protection. Ouais, bon, ça m'est pas très utile. Il y a personne qui peut me le faire. Hein. Merci, mais merci quand même. Hein. C'est gentil. Hein. Ça servait à rien, mais c'est gentil. C'est l'intention qui compte. Les ennemis vous attaquent. Défendez-vous. Ah. That's the nicest thing anyone's called me in weeks. We should kill that one last, Senjak. Such good manners. There's no reason for this to turn violent. Hand over your belongings and you may yet live. You should listen to Senjak, friend. Perhaps you've noticed our associates who are even now aiming their arrows at your hearts. Raise a hand against us and they'll cut you down. Now then,
Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Parce que là, je veux emmener Samuel à l'auberge, vous savez, celle qui est au nord. Et là, c'est en train de partir en couille. Saint Jack, Tola Tia. I swore I would crush the life out of you someday. Today is that day. Dorn, you should be dead or rotting in a Luskan prison. Ouais, mais j'en ai rien à foutre de vos trucs. Je dois amener un type là. I'm happy to see you, Dorn. Leaving you behind to take the blame was all Simeon's idea. He's the one you want, not us. Just following orders is a coward's excuse, Dorothy. And I haven't forgotten what you said when I refused your advances. What advances? She would never consort with a half-orc, especially when she has me. Change, Dorn. You're as stupid as you're ugly. Tell him, Dorothy. Sanjak was the first to agree with Simeon. He always hated you. But you know I didn't feel the same way. Bon, on va laisser les deux amants voilà, se défoncer la gueule. Moi, je vais buter les bandits. Vas-y, Dorothea, voilà, c'est fait. Où est ce bandit? My name is Dorn Ilkhan, and I was settling an old score. I've been hunting those two for almost a year now. That's two down and two to go. My powers are none of your concern, unless you are looking for a strong arm to join you. Wait, are you... Eh, t'as pas dit Gérard Lupin? I've heard of your... Ah, on parle tant de moi, c'est pour ça qu'il y a tout le monde qui veut me buter. Par contre, le point de fer, c'est ceux qui gardent la porte de Baldur, hein, de ce que j'ai vu. Bah putain, on va se marrer. My former companions betrayed me and left me to rot in a Luskan prison. I've spent the last year tracking them down after Senjak and Dorothea. There are two left. Very wise. We shall cut a bloody swath across the Sword Coast. D'accord. Mais en fait, tu dégages, parce que je veux pas de toi. You wish me to leave? You shouldn't make a habit of committing mistakes like this. Justement, c'est là où je voulais me rendre, putain de connard. If you change your mind, I shall be at the friendly army. Bon, c'est bon, je peux récupérer le truc. On a des... Oh putain, j'ai des carreaux. Putain, pour une fois, il y a des carreaux. Il y a quelqu'un qui va être content ici, hein. Ouh, ça, ça me plaît bien, ça, c'est pour moi, hein. Ouh, rondache. Il y a plein de trucs à ramasser. On va se marrer. Bon, qu'est-ce que je fais? Le lundi au soleil, ta mère la matin maligne. Balette, tes carreaux, putain, ça, ça fait longtemps. Je vais prendre le Wazakishi au cas où il chie. Au cas où il a chié. Moi,
J'ai quoi, un Ninjato et un Wazakishi? Bon, on va voir ce que ça va donner, l'autre. Bon, ça c'est toi qui... Ça c'est pour toi, c'est cadeau. Et ça, c'est un cadeau pour toi, parce que déjà que t'en as un peu perdu. Or qui brille, guidera vos yeux lors de vos voyages. Ta gueule, il y a cet homme-là. Oh, ça c'est... Oui, hop, j'ai du point, ya ya ya. Je vais bientôt avoir besoin de repos. Vous là, arrêtez, attends, il y a un mec qui me parle. Je m'excuse, vous êtes en danger. Oui, sans déconner, c'est pas comme s'il y avait des monstres là. C'est sûr, ils sont là-bas, autre chose. Ok, bizarre prisme, il faut que je me méfie de Pex. Ah, bah c'est la personne dont il faut se méfier. Ah, belle créature, vous êtes mon chef-d'œuvre. Attendez un peu, il y a quelqu'un qui est doux. D'abord, tout ce qui est doux. D'accord, bah merci. Et ensuite? Nul n'échappera à Grey Wolf. Ah, il y a le vrai. Ah, c'est vrai, elle te pêche de lui faire du mal. Oui, oui, c'est ça, la prime. Je vais d'abord te tuer. C'est vrai, le fameux loup gris à qui on avait piqué une prime la dernière fois. Vous vous rappelez, c'était rigolo. Eh vas-y, tu fais pas de mal à Théo, hein. C'est pas bien. Une épée longue. Merci. Bientôt, ma tâche sera accomplie. Ok, l'histoire était pour le moins tragique. What? Ok. Pourquoi pas, hein. Il est mort, j'ai pas suivi. Prisme, le sculpteur. Dante... Prisme le sculpteur. Ouais, il était pour moi, mais au moins il a pu finir un voyage avec quelque peu changé. Ok, VRSK. D'accord. Quoi pas, hein. J'ai pas tout suivi, mais qu'est-ce que c'était? C'est quoi ça? Ouh, les émeraudes. Ah oui, c'est un visage. Bonjour le visage. Il est pas cool le visage. Je ne sais pas qui vous êtes. Et vous, si vous disiez s'il est passé des kobolds, sans déconner, bah, je viens de les buter. Trop tard, ils sont là. Mais je viens de les buter. J'en ai buté là une demi-douzaine, alors à moins qu'il y en ait encore d'autres. Ah oui, il y en a peut-être encore d'autres en fait. Passons aux choses sérieuses maintenant. Ah bah si c'est une demi-douzaine, ça va, moi j'ai affronté vraiment une douzaine. Oh, c'est même pas une demi-douzaine, ils étaient 4. Tu te fous de ma gueule, hein. Ouais, bon putain, ça va. Putain. Il n'y a pas mort d'homme. Il y a mort de femme. Bon, elles sont où les portes de l'islam? Sur le courant de la Mecque, vas-y. Je vais tuer ces chiens de mécréants. Ils sont les chiens, il y en avait beaucoup des chiens. Il y avait des chiens effrayants et des chiens de mécréants. Non, c'est pas ça. Des chiens d'infidèles aussi. Ah, bah, en voilà des chiens d'infidèles. En plus, l'autre marchand, il aime bien cela. Je lui en ai déjà revendu plein, hein, des pots de loup à l'autre con. Hein. Bon, après, ce qui est chiant, c'est de les trimballer parce qu'ils prennent 10 kilos et puis voilà, pour avoir de la place. Oh là là, je suis si fatigué. J'adore votre jeu d'acteur. Bon, au moins, les mineurs vont bien. Enfin, si on peut s'abonner. Ah, ils m'attaquent pas cette fois-ci parce que dans l'autre village, ils m'ont attaqué, ces connards. Hein. C'est de trucs d'Amien, quand je suis revenu, ils ont foutu le bordel. Bon. Ne vous approchez pas, citoyen. Ok. Événement important. Fausse. Enquête dans les mines. Je deviens Emerson. Okay. Ouais, ou je peux faire ça aussi. Ouais, c'est aussi une solution pour entrer, hein. C'est la solution que je préfère parce que j'ai pas envie de faire chier, je sais pas où il est ce con.
qu'à un moment donné... Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Ah, c'est mieux, là. Une tâche facile. Encore. Oh là là, ouais, je suis si fatigué. Bonjour, Gord. D'autres aventuriers, hein. Bah, je vais partir, il faudrait que ça encore... tout juste, ok, mur pour chasser. Ok, tout va bien ici. Il y a des fantômes. Et ben on va se servir. Alors Rufy, c'est toi. Alors soit tu racontes des conneries, soit il faut ramener une caméra obscura ou un aspirateur à fantômes. Aussi. Laissez-nous. Nous avons beaucoup de travail devant nous. Bon, niquer ta mère aussi, je peux te buter, hein. Ok, ben on nique ta mère, hein. Vraiment, là... Oh, du fer contaminé. Je veux du fer contaminé, je veux me le choper le coronavirus. Oui. Évidemment. C'est la meilleure... La meilleure des idées. Miam. Ah, oh, c'est bon le faire. Ok. Oh, je crois que je crache du sang. Il va mourir, Dink. Descendre pour vendre. Qui est... Ah, c'est adapté. Putain, vraiment avec l'ambiance, en plus t'as l'impression qu'on est dans un truc d'horreur. Oh, performance. Bon, il va falloir aller jusqu'à où? C'est un labyrinthe ce tunnel. Hein. C'est vous les démons? C'est ça, c'est des kobolds, hein, juste donc ça va. Hein. Honnêtement, j'ai eu pire. Ne vous approchez pas, citoyen! Venu parmi les gardes, je devrais. Bon, toi, je vais te laisser tranquille pour l'instant. Et Sleeve, en tout cas, j'ai croisé un kobold, c'est pas oh cool. Oh là là! Je suis si fatigué! Ok, tout va bien. Putain, dès que je leur parle, les mecs ils se cassent de la mine, quoi. C'est parce que je pue ou quoi? Quelque chose tue les mineurs. C'est pas les kobolds? Non? Je demande! Je viens d'en croiser un. J'ai envie de dire. Hein, ce serait le truc le plus logique. Oh là là, je suis si fatigué. En tout cas, on a pas mal de choses, hein, évidemment, le faire lui-même. Si les gens ignorent que ce phénomène. Ok. Non, ça a pas l'air d'être ça. Bon, alors, vas-y. Est-ce Marvin? Marvin! Marvin! Qu'est-ce que tu fais là? Oh, je crois que je crache du sang! Ce petit gars. Encore tout va bien. On continue la petite fouille. Faut faire gaffe, hein. Bonjour les soldats. Bonjour les soldats. Je vais rien prendre, ne faites pas. M'engueulez pas encore une fois parce que j'en ai marre. Oh, Bob! Salut Bob! Qu'est-ce que tu fais là? Tu bosses plus pour Hydra? Nous avons beaucoup de travail devant nous. D'accord, un dragon dans les mines. Une mine. Une mine. Intéressant. Fouillons, fouillons. Bonjour le kobold. Bon. Donc il y aura un dragon. C'est génial, j'ai pas envie d'affronter un putain de dragon. Il fait tellement sombre ici. Pac, on essaie en vain de nettoyer les trucs. Deux autres aventuriers, intéressant. Par contre, c'est par où ensuite pour descendre au plus profond des mines? Au plus profond de la nuit, ishlibidish, ish. Oui, bien sûr. Mais arrêtez de grêler. Ils sont là. Ah, c'est bien ce que je lui disais, c'est les kobolds. Par contre, il y avait un dragon. Putain de saloperie de bête, hein. Bon, au moins, il file souvent du fric, mais pas là. Enculé! Il fait tellement sombre ici. Ouais, Kylie.
C'est où, ça nous demande la mine, et des cow-boys, ils ont été les temps, mais maintenant, on peut en croiser. Hein. Quoi qu'il en soit, je reste en noir si j'étais vous. Ah, ok, Kylie. Ah, c'est pour ça, ceux en bas, ils sont pas au courant du truc, mais en fait, ouais, t'as des kobolds, ouais, c'est bon. Ça va, les gars? Ne vous approchez pas, citoyen! Je te bute, hein, mec, hein, si tu m'emmerdes, hein. Une potion contient une similaire aux édux, certains vont connaître le fléau, les kobolds. C'est les minerais qui sont les trucs. Et si on buvait? Je vais boire un petit coup. Ouais, je le sens pas, et vous? Tout va bien. Ah bah tout va bien. En plus, on peut descendre encore plus profond dans les mines. Passons aux choses sérieuses maintenant. Ah, venu, bienvenue dans les enfers avec le commando Kobold. Oh putain, et la flèche enflammée, tu te la fous dans le cul aussi. Calme-toi, Michel. Ça ne va pas bien, Michel. La vase grise. Je vous ai que ce truc de merde. On affronte de la vase maintenant, d'accord. Oui, pourquoi pas, hein. Ouais. Ils mourront tous. Ah, bonjour, qui c'est qui a là? Je fouille les zones, c'est... J'en ai marre. Je vais arriver au bout, il est où leur chef? C'est bon, c'est toi leur chef? Je vous remercie de m'avoir libéré, les amis. J'ai croupi trop longtemps dans cette horrible cave. D'accord. C'est bien. Et je veux pas te recruter. Et maintenant, une tâche facile. Donc casse-toi, Bernard. Quoi? Comment avez-vous réussi à entrer ici? Ok. Qu'est-ce que c'est donc? Alors, le désir de traîtrise, qu'est-ce que c'est, il parle? Mais je suis quand même trop sympa. Attends, je vais te filer tout ça. J'ai quand même envie de le buter, cet enculé. Je suis pas vous. Moi, j'ai envie de le buter. Infravision. Bon. Allez, vas-y. Alors, ça, voilà. Quoi? Ok, si tu veux, hein. Enculé. Genre, regardez dans le coin. Mais tu m'as déjà fait le coup des lettres. Et maintenant, oui. Ça en fait beaucoup par contre des mecs. Hein. Passons aux choses sérieuses maintenant. Ça fait beaucoup de squelettes, hein, de monde là. Et maintenant, que se passe-t-il? Agreed. Et maintenant, où? Passons aux choses sérieuses maintenant. Défoncez-les, squelettes aussi. Ah putain! Il aurait fallu de peu pour que ma sorcière se fasse défoncer pour moi, regarde. Oui, bien sûr. Mais ça va. Ah, des bottes. Oh, un symbole sacré. Ah, les fameuses lettres qui étaient pas dans le coffre, mais sur lui. Il a essayé de nous re-entuber alors que putain, le coup il marche qu'une fois. Hein. Regardez les lettres dans mon coffre. Hein, ça marche une fois, hein, le coup d'essayer de m'entuber comme ça. Le mec, il a vraiment cru que ça allait passer une seconde fois. Regarde à nouveau, tu as mal vu. Tâtonnement, permettre de tuer Emina quand même. Oh, après, méfiez-vous des ennemis, on va les traiter, vous serez remplacé. Ok. Présence. Ok. Ok, ben c'est bon, j'ai les lettres. C'est quoi l'autre truc?
quoi cette merde? C'est un portrait du dieu Cyril, Hanouna. Il ne fait aucun doute que la mort de Mulaé va soulager les craintes de la population terrorisée de Nashkel. Mais vous demeurez dans l'inquiétude. S'il est possible que le demi-orc soit effectivement à l'origine des problèmes de la mine, la pénurie de fer est trop généralisée pour être de son seul fait. Ces lettres confirment vos soupçons. Par contre, s'il te plaît, enculé, ne me téléporte pas quelque part. Parce que j'ai pas fini de fouiller. T'as pas remarqué? J'étais en train de revisiter le coffre. Bon, parce que la dernière fois, il m'a déjà fait le coup de me téléporter, donc je me méfie. Alors, 2001. Ah, Victory is mine. Personne peut la porter. Ok, Solxan peut utiliser ça. D'accord, Solxan. D'accord. C'est génial. Ben, on se tire maintenant, je pense. Hein. Faut juste un peu le reste. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Passons aux choses sérieuses maintenant. Dégage, je te... D'accord, mais en tout cas, on a réussi à avancer, hein. T'en as acheté longtemps que j'ai... Faut que je le sauve pour... dans cette situation. C'était qui, où, que, quoi, comment? Vous c'est la question, comme d'hab, hein. Qui, que, quoi, où, comment? Bon, je pense que la sortie, c'est par oui, là. Bien sûr. Bon, en tout cas, quand même, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ouais, on fera tout ça la prochaine fois. Au moins, on a débarrassé le truc des mines, hein. Et mais... Si je vous emmerde, vous me le dites. Allez, au revoir, les cons, hein, parce que visiblement, aussi... Je leur demande d'y aller, ils font bien sûr, mais ils restent sur place.